Mais là, le problème, c'est que nous avons droit à un concours exceptionnellement relevé à la barre fixe avec ce jeune homme, Paul Hamm, l'Américain. Et oui, à 5 mois des Jeux Olympiques, ouais. Il n'y a plus de cadeaux. Là, on ne se fait plus de cadeaux. C'est véritablement des matchs au sommet. À chaque fois, on donne le meilleur de soi-même pour être sûr qu'on est bien rentré dans la préparation olympique et se donner confiance. Paul Hamm, champion du monde du concours général. Et là, premier lâché, ouais, magnifique. Superbe. Ah, et c'est oh, belle rattrape. Oui, oui. Malheureusement, c'est pas fatal parce que là, il en prend un petit coup au moral aussi en même temps. Quatre chocs entendus. Série de lâchés absolument époustouflant. Quatre lâchés enchaînés. Et là encore, peut-être un petit problème dans la continuité. Sur la dernière prise de bord. Et l'accélération fouettée et double arrière tendu avec double vrille. Quel dommage car. Un mouvement d'une audace exceptionnelle, là aussi. Quatre lâchés enchaînés, plus un premier lâché, Kovacs-Vry, que l'on verra peut-être sur le ralenti. Peut-être un peu de fatigue hein, chez Paul Hamm, qui a été hier remarquable lors des qualifications. Ouais, et là, Kovacs, salto par-dessus la barre, plus Vry, il enchaîne. Petite faute technique sur le fouetté, il fouette un petit peu trop. Voilà. Là, arrêt de progression, c'est ça. Eh oui, il est obligé de tirer sur sa barre, il fait un petit contre-élan, mais il se rattrape très très bien. C'est presque imperceptible, mais voilà ici le dernier lâcher de barre. On peut arriver à demi-tour, le Ginger. Champion du monde, Kovacs corps tendu, jambes serrées, jambes écartées et corps carté. Et le quatrième, le Ginger. Salto arrière demi-tour, reprise de barre et on enchaîne. Là, peut-être à ce moment-là. Tout ça te semble tellement facile, tellement aisé. 9-400. Eh oui. Eh oui, il le paye très cher. Hein. Parce que contrairement à ce que l'on croit, et c'est peut-être un des regrets du cycle, de ce cycle-ci en gymnastique, puisqu'on marche par cycle quasiment tous les 4 ans, les programmes changent, c'est que les lâchés ne sont pas autant primés